cette semaine, je suis allé au musée d'art contemporain de Montréal, puis j'ai vu plein de belles affaires, là, comme une plante en dessous d'un air climatisé, un doigt, un monsieur qui éternue des lapins, une madame qui éternue des pâtes. Après ça, un peu plus loin, j'ai vu une genre de lèvre sur le mur. Je me suis approché pour y voir à l'intérieur des culs et des langues. C'était bien beau. Puis un peu plus loin, il y avait comme des hommes d'affaires dans de la salade. En tout cas, j'ai bien aimé mon expérience là-bas. Je dirais que c'était au moins 10 sur 10. Exactement. Je sais. C'est ça, j'ai dit à Chantal aussi. Ah oui, j'ai dit, elle a les doigts pour faire du piano. Là, j'ai commencé à refaire les plates-bandes là, cet été. Top 5 des anniversaires dans lesquels on est le plus jeune. Chaque fois que je m'en vais magasiner, je trouve des affaires bizarres comme un pâté au poulet fait avec des restants de poulet de Air Transat, des barres granola qui s'émiettent tellement que ça vient avec un rabais de 5$ sur les aspirateurs, ben un Powerade bleu mais qui goûte le rouge, c'est parce que là, ça m'a amené, ça va faire là. Pas d'ombre chinoise. Cette semaine, dans le Journal de Québec, un homme écoute des bornes fontaines. Je sais pas à quoi ça ressemble, hein? Vous écoutez Radio Bornes Fontaines, la radio des hits. Attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Splish, splash, tout en prenant mon bec. Est-ce qu'on a fait le tuyau? Il faut le caliment. Salut, papa. Ça va bien? Ouais. Est-ce que tu t'es remis de ton burn-out? Oh, non, pas tout à fait, hein? Non, ben je peux comprendre ça. Des fois, les jobs de bureau, c'est demandant, puis ça va finir par passer. Ouais, qui est là? Est-ce que c'est Chantal qui parle? Je suis en train d'écouter mes programmes. Attends un peu. Je suis en train de dire, je suis en train de faire des parties mexicaines. Je suis en train de dire, les mâles en haut de troisième. Je suis en train de dire, si tu l'entends, je suis en train de voir les vidéos, on va en donner. Aide-toi. Billy, quelle heure? Ben, je sais pas. Ben là, t'as une montre. Ben, j'ai pas acheté la montre pour regarder l'heure. Ben, voyons donc. Et coupé! Ok, merci les filles, c'est dans la boîte. Ok, là, on a juste à passer au... Hein? Comment ça, vous voulez leur prendre? Vous êtes pas satisfaite de votre jeu d'acteur, de comment ça, il était parfait, votre jeu d'acteur, là? Vous trouviez qu'il manquait de naturel? Tu me niaises? Cette semaine, au tricheur, écrivez-moi de quelle façon est décédé Abraham Lincoln. Oui, allô? Bonne fête, Jean-Michel! Bonne fête! En tout cas, là, 31 ans, c'est un bel âge, hein? Ça, c'est 2 ans de moins que l'âge du Christ. Le réveil devait pas être facile le matin. Ouais. C'est ça qui arrive, hein? Le temps passe et les choses qui arrivent. Il arrive d'autres affaires. C'est de la merde, là. Là, il y a quelqu'un ici qui a pas pris le temps de finir son livre, là. La mécanique pour les nuls. Bonjour, j'aimerais changer mon livre contre un lift. Merci. Ma prochaine joke va marcher si le rideau de la salle est pas rouge. Oups. Tu veux que je te parle de moi? Ben oui, certainement, j'ai plein de choses à dire sur moi. Ben écoute, ben, je peux te parler du dernier jeu que je me suis acheté. C'est ça ici, c'est Mario plus Rabbids Sparks of Hope, qui est un peu la suite d'un crossover, d'un spin-off, ouais. Je sais pas si tu connais bien Rayman. Non, ben c'est ça, c'est qu'après Rayman 3, au-delà ma voix, qui est sorti Rayman Raving Rabbids sur Wii, après ça Rayman Raving Rabbids 2, après ça un peu plus tard les Raving Rabbids, donc les lapins crétins, se sont un peu dissociés de Rayman, c'est comme devenu une série à part entière, et là en 2017 sur Switch est sorti Mario plus Rabbids Kingdom Battle, qui est un peu le prequel de celle-là. Les deux c'est des RTS, j'imagine que c'est quoi, non? Ben en fait c'est ça, c'est des jeux stratégiques à tour par tour, sauf que lui, tu peux jouer avec Rabbids Rosalina et Bowser qui est comme un Rocket Launcher, et bon, ce qui est bien excitant c'est que il va avoir un DLC en Wave 3, Rayman. Donc ça va être un peu le grand retour de Rayman avec les lapins crétins. Et ben c'est ça. Moi je trouve ça bien excitant. Et, donc j'espère que tu me trouves intéressant comme personne. Il paraît que quand tu souris, tu sens pas ta langue. Ok. C'est pas vrai. Je voulais juste te voir sourire.
Mais toi, t'as la raison pourquoi moi, je souris aujourd'hui. Pourquoi? Partage cette vidéo-là avec quelqu'un que tu veux voir sourire. Mais je le verrai pas. Ben.